je m'assois, je respire un bon coup. Je vais vous parler un peu des dessous aussi de la vie, de vivre à l'étranger, etc. Même quand je le partage, on ne le prend pas vraiment dans son intégralité parce qu'on dit mais elle est étrangère, c'est comme si elle était en vacances, mais elle est à Istanbul, c'est trop bien, oui c'est génial, c'est trop bien, mais la vie continue et on fait face aussi à d'autres problématiques. Et personnellement je fais face à des problématiques auxquelles je n'ai pas eu quand j'habitais en France par exemple, etc., parce que je suis étrangère dans un pays étranger. Donc je vous avoue que le quotidien n'est pas forcément tout beau, tout rose, tout le temps. Alhamdoulilah, ça va. Mais il y a plein de choses. En fait, c'est un pays instable. Enfin, pour moi, je trouve que voilà, c'est instable niveau économie, c'est instable niveau loi, c'est instable niveau relationnel, etc. Mais ça, je rentrerai dans un autre sujet. Bref, je m'étale. En vrai, ça fait quelques jours, je suis pas bien. En fait, ma tête, elle veut être en mode positif, mais mon corps et puis le reste, voilà, je suis stressée, je suis angoissée en ce moment. Il y a plein de trucs, enfin, il y a des, entre l'administratif, entre l'augmentation du loyer inattendu, entre des petites choses par-ci par-là. C'est ça aussi, vivre à l'étranger, c'est aussi s'adapter aux règles, aux lois du pays dans lequel on est. Qui, nous, on a certaines choses qu'on ne peut pas. Genre augmenter le loyer de 65%, mais wesh. Attendez, je vous sors un wesh, ça veut dire que c'est vraiment... Mais on va y arriver, c'est juste, voilà, je suis passée par une petite phase. C'était juste une petite aparté. Là, j'essaie de tout faire pour aller bien, même si là, actuellement, quand je vous parle, alors que c'est vraiment rare, hein, j'ai une boule au ventre. Et j'essaie de, voilà, je dois gérer quelques trucs, step by step. Je prends mon ordi. Je me suis fait un petit outfit tout mimi, je vais vous le montrer d'ailleurs, et puis c'est parti, on essaye de se booster. Dans quel mood je suis actuellement, ça m'a manqué. Bon ben je vais me faire un petit chocolat chaud. Voilà le café où je vais me poser. J'ai beau du jaune. Avec un petit flat toile. Et franchement, c'est génial. Il n'y a qu'à avec vous. Il faut vraiment que vous goûtiez à ça. Là, c'est les fruits et légumes. Et pendant le ramadan, il y a plein de choses aussi. L'hiver aussi. C'est trop bien.
C'est Kuna Kolagas. Je vous jure, ce que j'aime en Turquie, c'est surtout ce. Vraiment, c'est un pays de service. Du coup, là, j'ai mon dîner, mon petit-déj, du pain frais. Enfin, c'est pas que des trucs industriels, etc. Vous pouvez vous faire livrer tout ce que vous souhaitez. Et là, en même pas 20 minutes. Donc, vraiment, je suis trop contente. Regardez ma tête, s'il vous plaît. Ça fait 48 heures que je suis sur ce canapé, j'en peux plus. Mais je me suis réconfortée dans la commande. J'ai commandé ça avant de te baisser. Cette gaufrette là, là, faut vraiment que vous l'achetez. Elle est trop trop bonne, ça, la pistache. Si vous aimez la pistache, moi j'adore. C'est Dunya Kavası, mais vous pouvez trouver dans les supermarchés aussi. C'est une dinguerie cette série. En fait, j'ai pris la bonne marche. Et c'est une série du Koweït, c'est un truc de fou. C'est le quatrième épisode là.